des associations Noble Cause pour les enfants. Ouais. Et je pense qu'on a peut-être tous une personne dans notre famille qui est morte du cancer, tu vois. Mmh. Donc. Bonjour, bienvenue à toi, ça fait très plaisir de te retrouver, je te souhaite une très très belle matinée. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je suis aujourd'hui invité au Dream Car Day. À cette occasion, nous sommes à Divonne-les-Bains et aujourd'hui on va partager un moment de partage. On va passer un bon moment avec plusieurs passionnés, mais surtout à l'occasion d'une noble cause. La cause est la suivante, on va soutenir des enfants malades atteints du cancer. Donc ce que je te propose, jingle, on balance la vidéo et c'est parti. Petit A45, suivi juste derrière d'une 488 Spider. Regardez les deux monstres qui sont en train de se préparer sur le départ. Là, on a la crème de la crème. McLaren 720S. Oh là là! Là, on est dans une zone stratégique, il se passe un truc. On a très très belle Audi R8, suivi, hop là, je sais pas où mettre de la tête. Oh, la Black Series, ça reste quand même une caisse extraordinaire. Et là, on a un croisement entre la Audi R8, Lamborghini Huracan Performante Spider, l'ami. Bonne balade! D'ailleurs, je te pose la question là, si tu devais en choisir l'une des quatre qui vient de passer, mets-moi en commentaire. Moi personnellement, tu connais mes choix. Lamborghini Huracan, Spider Performante. Quoique la 720S, et puis la Black Series aussi. Ouais, en fait, le choix est vraiment difficile. Regardez-moi l'engin qui arrive! Pa. Ça, c'est une dinguerie. Ça passe? C'est hot. L'engin de ouf. Allez, on va continuer à marcher un peu sur le parking, vous montrer un peu les belles pépites. Il y a pas mal de beaux bébés. Hein. Oh là là, oh là là, ça c'est monstrueux, Nissan GT-R, ouh là 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 là, je vais me prendre un peu d'eau. Suivi de la GT40 juste derrière, c'est sympa. C'est juste la merde. J'étais en train de prendre de l'eau dans le coffre et je viens de fermer le coffre. Et dans le coffre, il y avait les clés. Et j'ai pas le double des clés. Ça commence bien.
c'est toi le coupable. Je suis sûr que c'est toi le coupable. Elles sont où mes clés? Hein? Elles sont où mes clés? C'est toi qui as pris ma clé, coquine. Ou coquin. Non, mais regarde, elle va râler parce qu'elle ne sait pas ce que c'est. Bon. Du coup, j'étais en train de me dire, est-ce que je fais une vidéo sur le périple? On a essayé, tu peux voir les dégâts. D'ailleurs, j'ai dû retirer les custodes. Mais impossible d'ouvrir la voiture. Du coup, pas de prise de tête, j'ai appelé l'assistance. L'assistance arrive dans une demi-heure. Donc, mais toi, t'es trop mignonne. Elle veut se mettre à l'ombre. Voilà. Donc, un conseil que je vous donne, c'est quand vous allez sur des rassemblements, moi, c'est un truc que je fais depuis 10 ans, c'est toujours avoir un double de clé et vous donner votre double de clé à un des pilotes avec qui vous partez. Comme ça, vous êtes certain, si vous arrive une couille, n'importe quoi, on vous vole vos papiers avec vos clés, vous êtes sûr de les retrouver. Mais en disant, la seule fois où je prends pas mon double de clé, bah c'est la seule fois où ça m'arrive. Bref, la matmut est là, l'assistance arrive, ils vont gérer le truc. Donc on va continuer notre petit tour. Allez, on continue un petit peu à tourner. Bon, on a un beau plateau, hein. Donc je vais pas vous filmer tout en détail. Là, pour le moment, tu vois, c'est juste en train de se mettre en place, tranquille, c'est encore la matinée. Par contre, il y a un truc que j'ai trop envie de faire. Check ça. On va emmener les enfants en montgolfière. Ça, c'est la guerre. On continue nos aventures. On a le dépanneur qui vient d'arriver. Du coup, il va nous ouvrir la voiture. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors, les clés sont en fond dedans? Dans le coffre. Ouf. Dans le coffre? Ah ouais. C'est compliqué, ça. Attendez, hop. Allez, on va voir ça. C'est compliqué. Et voilà. Et du coup, les clés étaient restées là-dedans. Du coup, elles sont là. Bon, bah maintenant place au baptême, les amis. On va commencer à mettre les GoPro et tout. Bon. Dépannage. Ça, c'est mon sauveur de la journée. Comment c'est ton prénom? Bruno. Bruno. Jeanlin Assistance. Voilà. Merci à toi. Mais de rien. On vous a pas montré comment il a ouvert la voiture, mais en tout cas, c'est ouvert, c'est fait, c'est efficace. Et pour le coup, j'en ai profité pour retirer les custodes. Ah, c'est chaud. Mais, du coup... Ah, ça lui va bien, en fait, sans... Il y a une bagnole... Bon, on se retrouve après ce moment de roulage. C'est l'heure du repas. Pour moi, c'est poisson. On va aller retrouver les copains. Donc je reste un rendez-vous. On a eu un joli petit discours de tout le monde. Sur ce, tout le monde est là, bon appétit. Bon appétit. Régale-toi bien. Enfin, moi, plutôt, moi, j'aime régaler. Et puis, si tu regardes la vidéo pendant l'heure du repas, bah, bon appétit. Oh, le repas est terminé et on va en profiter pour se retrouver. Voilà. Pop, la pépite du jour. Ah, t'as bien joué. Il a failli éclater sa vente. Avant que je bombarde la vidéo, on va retrouver plusieurs de nos amis aujourd'hui. Notamment, on a la Carrera GT de Raoul, qui est déjà en mode superstar. On va aller découvrir un petit peu le parc de voitures qui sont aujourd'hui garées. On va partager un petit peu avec quelques passionnés. Regarde comment il prend soin de moi, il veut me donner à boire.
Non, ça c'est pas donné à boire. On est avec les copains. Monsieur Mehdi. Et Arnaud, qui sont là. J'ai cru que tu m'avais visé quand t'as dit Monsieur Mehdi. Non, j'ai fait comme ça et comme ça. Vous avez vu? On retrouve Mehdi. Ça va mon pote? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Je suis content de te retrouver. Ben, je suis content aussi, c'est un plaisir partagé. Toi, t'es un vrai ami depuis longue date. Tu sais, il y a les potes de passage qu'on voit comme ça à des périodes. Ouais. Il y a les vrais. Ceux qui restent. Mon homeboy, lui, c'est un des vrais. Et on a commencé, on s'est connus avec la 45. C'est d'ailleurs toi qui m'avais donné des références pour l'échappement. Ouais. C'était quoi, 2017 ou... C'était avant Top Marque, avant que pour moi l'aventure réellement commence. Mais toi, t'as une belle aventure qui a commencé. T'as réalisé ton dream. Ouais. Bah, dream, déjà, la 45, c'était un rêve. Hein. Un rêve, et puis c'était mon objectif depuis un moment. Et puis voilà, maintenant, c'est la GTR. Et ouais. Depuis 2018, hein, depuis le. Grave fier de depuis toi. Depuis le Top Marque, Soul, il avait la phase 1. C'est ça. La petite anecdote qu'on aimerait vous partager comme ça en vidéo, c'est que moi, je me rappelle, on était ensemble dans la 45 à l'époque. On avait fait la balade des supercars, et quand tu regardais la vidéo de Soul, il y avait tes yeux qui brillaient. Et La voiture de Soul. Ouais. Et t'étais là, t'as dit un jour, j'aurai celle-ci. J'avais dit, en tout cas, si on parle pas de prix, celle que je choisis dans les 35-40 supercars qu'il y avait, c'était celle-là. Yep. Et aujourd'hui, tu es venu soutenir les enfants malades? Ouais, comme l'année dernière. Ouais, comme toi, comme toi aussi. Yes. C'est quoi qui te donne envie de venir dans des événements comme ça? Ben voilà, on soutient des associations, noble cause pour les enfants. Ouais. Et je pense qu'on a peut-être tous une personne dans notre famille qui est morte du cancer, tu vois. Donc. C'est une. Ouais. Là, on a touché la corde sensible pour tous les deux, mec. Ouais. Mais ouais, c'est important, je pense, pour chacun d'entre nous qui avons eu, effectivement, d'être là, quoi. Ce sera la séquence émotion, là. Désolé, ça, c'était pas prévu.
va? Ouais. C'était cool. Ouais. Ouais. Ça va? Ouais. Tu kiffes? Ouais, c'est ouf. T'intériorises là? Ouais. Hein? Eh ben ravi d'avoir pu partager ce moment avec toi mon pote. Merci. Merci beaucoup. Are you ready? You see this, Leo? Yeah, are you? Yeah, sorry, pardon. Are you ready, Leo? Are you ready, guys? Tout le monde est prêt. Go! Now, I'm so sorry, my friend. It's finished. Oh, you have to go 30? Yeah. Okay. Yeah, sadly. That is fast. How do you feel, my friend? Good. Yeah? Yeah. You love it? Yeah. Wasn't that fast at the start, Leo? So fast. Yeah. Yeah. But this car is really funny because when you're driving fast, she's dancing anytime. Yeah. And you need to be concentrate 100% all time. If you don't concentrate, it's really dangerous. But she's funny. Accélère vite. Ben, en fait, non, mais voilà. On est assez habitué. Alors la Ferrari devant, elle doit rouler hyper vite là. Allez, mettre. Je savais pas que c'était. Maman est rentrée dans un truc, elle savait pas dans quoi elle s'aventurait. Oui, c'est sérieux. Elle est trop fort. Un seul ticket, comme ça vous garderez un autre ticket si vous voulez faire une autre voiture. Oh, c'est gentil, c'est vrai? Ouais, ouais. Oh, c'est horrible. Il a fait trop d'avis à distance. Vous aurez le droit de refaire un deuxième tour. C'est gentil, je dirais deux fois. D'accord, vite. Oui, et moi j'ai trouvé pour un verre, puisque la Lotus. La Lotus. Bien, bien.
un ticket ou pas? Ouais. C'est les enfants? Ouais, les petits. Elle a pas respecté juste les règles. Elle nous a fait une belle extérieure. Ouais, puisque elle allait à 120 km/h, elle avait dommage, alors qu'il fallait ralentir. C'est qui c'est qui c'est, elle a à qui un monsieur qui fait partie du groupe. Je le connais pas personnellement. Oh, c'est lui, il va être directeur de course, je pense. Ouais, ça ressemblait pas au directeur de course, mais. Non, je me disais, mon fils, il est. Ah il va faire le directeur de course. C'est pour ça qu'il. Ah oui, tu vas aller le voir, tu sais, écarte-toi les gens. Il y a un peu de moi sur le ciel, il y a un peu de plus. Pour le coup, vous allez garder vos tickets et vous allez refaire des tours avec les deux autres voitures. C'est... Vous avez pas donné les tickets? Vous avez pas donné les tickets? Non, on les a pas donnés. Bah ben voilà, c'était cadeau. C'est super gentil. Mais ça fait plaisir. Mais c'est trop gentil. Mais du coup, on va faire un tour. Bah là en fait tu peux choisir encore les voitures que tu veux parce que vous avez deux tickets. Donc vous faites comme vous voulez, vous choisissez la voiture que vous voulez. C'est laquelle la plus rapide qui est verte? Laquelle la plus rapide qui est verte? Bah là tu peux choisir ce que tu veux comme voiture. Une rouge? Une rouge même? Non. Et bah tu sais quoi? Merci beaucoup, franchement. Mais avec grand plaisir. Ah ouais, franchement. T'as kiffé? Est-ce que t'as kiffé? Ouais. Dis-moi, ouais, j'ai kiffé. Ah ouais. Toi, t'as kiffé? Ouais. Ouais. Yes, très bien. Ah ben là, franchement, c'est notre secret, hein, vous le dites à personne. Ouais. Hey, dites pas. Oui. Et toi, tu mets ta casquette dans l'autre sens quand tu passes, comme ça, il va même pas te reconnaître. C'est notre secret à tous les deux. C'est trop long. Merci à toi. Et maman l'a kiffé aussi. Ah, maman l'a kiffé. Alors, si maman l'a kiffé, génial. Bon, mais c'est top, vous êtes adorables. Allez, on descend les petits démons. Je vais vous ouvrir, j'arrive. J'aime bien. Ouais. Je m'attache ou bien? Ouais, parce qu'il y a les gendarmes partout, on va pas faire les cow-boys. Ça marche. Même si t'as l'écharpe d'immunité. Non, je vais la replacer un peu. Allez, let's go. C'est parti. Est-ce que tu me permets
filmer aussi un peu à l'intérieur. Ah, ouais. Vas-y, à 200%. Vas-y. Donc, tu vois, ça c'est mon père. Ton père il a ça? Le camion, ouais. Oh, trop dingue. J'étais en émerveillement tout à l'heure en train de le regarder, il était juste devant moi et tout. Ah ouais, c'est une dinguerie. Ouais. Ils sont assez rares dans la région, même en France, mais. Bah ouais, ce genre de modèle-là, t'en vois pas des masses, quoi. T'en vois pas des masses, c'est les vrais passionnés qui les prennent, qui savent les conduire aussi. Ouais, est-ce que ça doit être sacrément particulier à comprendre. Ouais, il a essayé de m'apprendre, moi j'arrive à passer jusqu'à la 4e vitesse seulement. Mais t'as combien de rapports? Il y a deux plateaux, donc tu as environ 18 vitesses, voire 20, okay, 24, il me semble, si tu passes vraiment tous les plateaux. Ah ouais, ouais. 24. Ouais, je crois. Et en plus, c'est boitulaire, donc c'est double embrayage. Ok, madame connaît un peu la métier, elle est pas en mode... elle est pas que Miss. Je suis pas une inculte. Ok, cool. D'accord. Je suis pas non plus hyper connaisseuse. C'est quoi que t'aimes dans les caisses en général? C'est un modèle de voiture qui te plaît en particulier? Ouais, la vieille Dodge Challenger de 70. Ah ouais. C'est mon dada. Un jour, si j'ai assez d'argent pour monter. Le muscle car dans toute sa splendeur, quoi. Voilà, ouais. Et encore après, si j'ai vraiment la thune, ça serait peut-être une Maserati. Mais Yes, c'est autre chose, là, c'est l'italienne. Ouais, voilà, ça c'est l'italienne, c'est vraiment ça. Le standing luxe. Ouais. Mais je suis plus vraiment ancienne voiture style Mustang des années 60. D'accord. La Challenger des années 70. Ouais, là je survalide complet. Oh, bah, ouais. Le vrai côté bestial, ça sent l'essence. C'est ça, ouais. Tu passes les rapports, ça craque de partout. Oui. Pas le truc, tu vois, triple embrayage, tu passes les rapports là. Triple embrayage, j'ai pas. Non, mais j'exagère. Je sais même pas si ça existe. Ouais, déjà. Si je mets ça sur YouTube, les mecs ils vont me faire. Ouais. Ah bon, attends, je t'explique. C'est juste que ça n'existe pas. Ouais. Non, et encore, j'ai vu des vidéos d'embrayage de camions au Canada où ils ont 3 leviers de vitesse pour passer les trucs. Ils lâchent le volant. Oh là là, ça doit être une dinguerie. Ouais. À tester. Oui, petit ciel étoilé, ouais. De 1375 étoiles. 1300. Ouais, t'as 1300 étoiles. C'est un gars dans le sud qui fait ça et qui m'a fait une sacrée dinguerie. T'es de la région? Oui, je suis d'ici, du pays Gex là. Ok, d'accord. Mais je vis plus ici depuis un bon moment quand même, ça fait 7 d'accord. ans. D'accord. Et toi, tu fais du mannequinat ou comment? Non, c'est quoi? Je suis danseuse, chanteuse, comédienne et cascadeuse. Alors attends, on va leur faire danseuse, chanteuse, comédienne, apprenti cascadeuse. Et cascadeuse, oui. Apprenti cascadeuse. Ouais. Ok, d'accord. Ah ouais, c'est un sacré mix. C'est un joli mix, ouais. Et cascadeuse, c'est-à-dire tu fais quoi? Des acrobaties? Ouais, bah pas encore, j'ai eu fait de la gym il y a bien longtemps, mais les acros c'est encore quelque chose que je travaille. Okay. C'est beaucoup tout ce qui est combat scénique. Sur le spectacle. Genre les Avengers et tout là. Quand bah justement, j'étais sur le spectacle Marvel Stark Expo à Disneyland Paris, du coup. Danseuse et combattante. Les amis, on est en bonne compagnie. Ok. Excellent. Voilà. En ce moment, je travaille à Disney. Police signalée sur votre trajet. Merci, Waze. Bon, bah, moi qui voulais tenter de faire une escapade, ça va être raté. Bon, c'est parce qu'on est à côté de la douane, c'est pour ça. Ah. Alors j'ai un pass VIP, à ce qui paraît on peut prendre 300. Ah ouais. On a un pass VIP, ils ont dit que quand on arrive faut enlever toutes les barrières. C'est Nicolas qui me l'a dit. Faut que tu passes l'info. Quel âge tu as? J'ai 24 ans. D'accord. 24. Et là, tu es Miss. Là, je suis 4e dauphine de Miss Rhône-Alpes. D'accord, ok. Voilà. Cool. Avant ça, j'ai été première dauphine de Miss Pays de l'Ain et première dauphine de Miss Bugey Pays de Gex. Ok. À la région. D'accord.
Et ça se passe comment en fait le délire de Miss? C'est quoi? C'était dans une école spécifique qui fait... Non, il n'y a pas du tout d'école en France. D'accord. C'est pas, pas comme dans les pays latinos où là il y a des écoles pour pouvoir apprendre à être Miss. Yep. Mais ici non, c'est juste l'expérience à prendre. Ok, d'accord. Ouais. Que là notre Chevrolet Camaro SS. Comme tout à l'heure. Là. L'édition du 50, en fait, donc ce qui est vachement bien, c'est que au niveau des barrières, en fait, les gens ils profitent un peu de la, du spectacle, ça du fait pot, partie du machin, du truc. Car, t'accélères et puis voilà. Comme mais tu te mets là, tu démarres, tu te mets bien droit. Comme la okay. Ford Mustang. Une. Are you ready? On est ready. Je dois m'arrêter là. C'est-à-dire? Bah, on doit rouler doucement. Ah. Ils veulent pas qu'on accélère. Ils veulent plus? La police est venue à ce qui paraît. Ah, super. Mais si tu sais ce qu'on va faire, on va se barrer. Alors aujourd'hui, c'est rassemblement statique. On a Belle Croix Car qui est là avec sa magnifique Aston Martin. Salut Jérémy. Ça va Belle Croix? Ça va, ça va. Monsieur Claudio. C'est ça. Le seigneur de la personnalisation automobile en Suisse. Alors le seigneur, je sais pas, mais on essaye de faire les choses bien en tout cas. Ouais, tu fais les choses très bien. Aston Martin, on aura l'occasion de la présenter. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la cause pour laquelle on est là ensemble. Bien sûr. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir exposer ta voiture aujourd'hui? Bah, bien évidemment, les enfants atteints de maladies diverses. Puis pouvoir donner un coup de main, donc voilà, on est là pour ça. Yes. Et puis pour donner du plaisir aux gens, le sourire, voilà, c'est ce qui nous motive tous, la passion automobile. La passion automobile, le partage et la quintessence même de ce que l'on aime. Bien sûr. Petite information, le 18, on se retrouvera, le 17 et 18 septembre ensemble. En Suisse. En Suisse pour un événement et on aura l'occasion de découvrir un peu le garage. On aura Alex Alpha Delta aussi qui sera ouais, avec nous. Donc ce sera cool de se retrouver tous les trois. Avec plaisir. Comme pendant Top Marque. C'est ça. Merci encore à toi. Merci à toi Jérémy. Et puis merci d'être venu mon ami. Avec plaisir. Ciao. Et on a ici Alexandre qui est venu avec, regardez-moi ça, Bugatti Chiron, tout en carbone. On a la deuxième pépite ici avec une LaFerrari. Monsieur Alexandre Moreau, ça va mec? Bien, bien. En forme? Tranquille, tranquille. Ravi de te voir. Alex. Allez, bien. Ravi de te retrouver la et porte. Regardez le kiff qu'il m'offre. On va se retrouver à l'intérieur. Ça va, c'est. Alors, c'est une première. Ça, c'est au monsieur? Hop là! Regardez-moi ça. Je vais mettre de l'autre côté. Hein. Vas-y, viens. Oh là 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 là. C'est chaud, hein? Ouais, on va, se retrouver comme ça ensemble. Attends, je vais essayer okay. de mettre la caméra comme ça. Vas-y, vas-y. Alex, ça me fait très plaisir que tu puisses m'accueillir. Et ça me fait très plaisir que tu es dans mon humble demeure. Ouais. Si on peut dire ça comme ça. Quelle demeure! Et c'est pas souvent que je suis en passager. C'est vrai? Ouais, bon, dernièrement un petit peu, mais quand même. Ouais. Moi, j'apprécie beaucoup Alexandre. Alexandre, on a eu l'occasion de se rencontrer à Top Marque. Et on s'était surtout. Ça, on ça avait, date, hein. Ouais, ça mais date, c'était hein. un breccia surtout. On avait passé événement un super moment organisé par Monsieur Karen Coffey ouais. et qu'on languit, qui renouvelle très 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 vite. Il y avait l'événement de Milan ouais. Qui était insane. Qui était waouh, ouais, franchement qui était waouh. C'était pas Brescia, c'était différent, mais l'expérience était hors du commun. Mm-hmm. Donc dans tous les cas, c'est toujours c'est des rêves qui deviennent réalité. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Entre les roulages, les moments de partage qu'on a avec les gens, ouais, les expos ouais. des véhicules. C'est et cet esprit de famille, en fait, ouais. l'esprit de famille. Ouais. C'est ça qui est assez ouf, en fait, qu'on retrouve dans notre passion. C'est quelle que soit la voiture ou la valeur de la voiture,
cette dimension de famille, exact, de partage, exact, de passion, exact. On la retrouve. Mais de toute manière, moi, je suis quelqu'un, même envoyer une voiture normale ou autre, je vais quand même sortir le téléphone, je vais faire la photo, la vidéo, parce que j'aime, j'adore. Et je suis tout autant choqué et épanoui par partout, en fait. Il y a tout qui me plaît. C'est pas parce que, bam, OK, il y a la Chiron que... Non, c'est j'aime tout, je regarde tout et je profite avec tout. Yes. Donc, et en parlant de profiter, aujourd'hui, tu es venu à l'occasion du Dream Car Day. Faire la surprise. Faire la surprise, c'est vrai, parce que ce n'était pas à la base prévu, mais tu es venu faire la surprise. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir? Alors, retour des vacances, je suis là. Nicolas Cronenberg est un proche, enfin, est un ami. Ça m'a fait plaisir de venir pour faire profiter les gens. Lui faire plaisir, faire la surprise à lui comme à tout le monde et partager la passion, partager des moments tous entre nous, te voir toi, yes, rigoler et passer du bon temps entre amis avant que l'hiver démarre, quoi. C'est ça, ouais. C'est ça. Les amis, c'est pas qu'on n'a pas envie de faire un long vlog ensemble. Et là, c'est un sauna, dans la Chiron. Du coup, là, je sais pas si t'as fait ton cardio ce matin. Ouais, non, là, il fait chaud, hein. Donc, on va quitter ici, on va retrouver d'autres amis encore. Mais encore, merci. Je vous laisse profiter encore pendant ces quelques minutes. Regardez-moi cet intérieur magnifique, très épuré. C'est Chiron Sport, quoi. Exact. Pour moi, c'est la plus belle hypercar, clairement. Ah, c'est pour moi aussi. Pour moi aussi. Et je te félicite vraiment. Merci. De ton parcours. Vous savez, les amis, il y a des parcours de personnes qu'on rencontre. On va aller dehors parce qu'il fait chaud. Ouais. Et on va terminer On va reprendre ça à l'ombre. Ouais. Oh, voilà, on va reprendre ça dehors. On va sortir avec Alex. Ouais, là, il faisait chaud. Hein. Oui, il fait bien meilleur. On se met à l'ombre. On va se mettre à l'ombre, exactement. Regardez un petit peu en quelques secondes. Attends. Comment je suis en nage. Toi aussi. Ah, on va se mettre là, tranquille. On fera un coupage au montage à cette étape-là. Ouais. Okay. Mais Alex, je voulais en profiter juste pour te dire un petit truc, parce qu'il y a des personnes comme ça qu'on rencontre dans nos vies qui à un moment se mettent sur nos routes. Et moi, je voulais juste te dire que tu as été une énorme bénédiction à plusieurs moments. Non, mais merci beaucoup. Mais je sais. Comme moi, on l'a été pour chacun. On l'a été pour chacun. La dimension de cœur dans laquelle tu l'as fait, elle est louable, elle est surtout sincère. Et moi, je voudrais vraiment vous encourager à, quand vous voyez des gens réussir à atteindre leur dream, et je sais que voilà, aujourd'hui, tu as réussi à atteindre ton dream à travers cette Chiron, mais ce qui est puissant, c'est tirer-en les motivations pour que vous, dans votre parcours, dans votre vie, ça puisse vous alimenter à aussi réaliser vos rêves. On les réalise tous à nos différentes échelles, mais tout est possible à partir du moment où on s'en donne les moyens et on y croit. C'est clair, mais il faut bosser. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci, il faut travailler, il faut avoir faim, et il faut vraiment avoir la dalle, quoi. Alors. Et moi, il m'a fait un jour, il m'a dit, je suis content qu'on n'ait pas encore le Karine Coffee Brescia. Tu m'avais fait un challenge, tu te rappelles? Vas-y. Est-ce que tu t'en rappelles? Explique-leur. Le prochain Karine Coffee Brescia où je viendrais, ce serait avec une Lambeau. Et quand tu m'avais dit ça... Que tu me ferais faire un tour. Bon, que ça sera à toi de me faire un tour. Ouais. Mais du coup... Je peux te dire que là, depuis 2 ans, ouais, j'ai la dalle. Ouais, je taffe comme un ouf, je compte pas mes heures. Des fois, j'ai les yeux qui font comme ça tellement je suis fatigué. Mais quand ça arrivera, je serai très fier de tourner une vidéo en ta compagnie et te dire je viens te présenter ma caisse et on fera un truc ensemble. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci encore d'être venu. Ah ben. Merci à toi, merci à vous. Yes, prenez soin de vous, on continue. Allez, à bientôt.